Et yo les potes, c'est Wizox, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc là, je pense que vous avez reconnu. Petite présentation de EFOCraft. Donc voilà, EFOCraft, c'est un serveur RP Minecraft. Donc c'est incroyable, voilà, c'est tout simplement incroyable. C'est le premier serveur RP Minecraft que je vois, je savais même pas que ça existait. Donc j'ai appris l'existence de ça il n'y a pas très très longtemps, voilà. Donc du coup voilà, là j'ai dit, je pense que vous reconnaissez parce que c'est une map, enfin c'est le spawn plutôt d'une map dans Garry's Mod. Donc là vraiment c'est incroyable les gars. Là normalement c'est là où il y a le juge etc. C'est vraiment incroyable. Si vous avez joué un petit peu à Gmod, vous reconnaissez et vous êtes actuellement choqué. Donc c'est un petit clin d'œil au RP voilà. Du coup on va directement partir sur une présentation de EFOCraft. Donc déjà toutes les informations sont en description, voilà. Donc pour rejoindre, donc déjà c'est pas un launcher ou quoi, c'est sur le launcher Minecraft, d'accord. Donc voilà, c'est que sur launcher Minecraft, parce que c'est un mode spécial en fait qu'il faut, si vous voulez avoir le chat vocal, parce que du coup voilà c'est un RP, donc s'il n'y a pas de chat vocal c'est pas hyper intéressant, même si vous pouvez quand même parler dans le chat. Voilà, il y a un chat, il y a un HRP etc. C'est vraiment comme Gmod. Donc le mieux à faire c'est d'être sur le Minecraft launcher normal de base. Vous téléchargez sur le site les modes vocaux et vous pourrez parler, ce sera vraiment incroyable. Après, si vous êtes crack, je sais que vous pouvez jouer. Voilà, je sais pas comment ça se passe, mais je sais que vous pouvez jouer. Du coup, il faudra vous renseigner parce que du coup, moi je suis premium donc je sais pas. En tout cas, voilà, regardez les armes, elles sont incroyables. Hop, par contre, pour viser, c'est un petit peu bizarre parce que c'est clic gauche. Voilà, donc clic gauche, tu vises, hop, tu tires. Ensuite, bon, là, j'ai pas le son du jeu donc c'est pas fou, mais du coup, là, hop, c'est une arme, il y a le recul et tout. Là, c'est pareil, tu vises, hop, c'est incroyable, les gars, c'est juste incroyable. Dans votre inventaire, vous avez des gestes. Vous pouvez par exemple vous asseoir, merde, c'est pas le bon truc. Vous pouvez par exemple vous asseoir, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez faire la toupie, regardez, vous pouvez faire la toupie, je sais pas à quoi ça sert, mais vous pouvez faire la toupie. Vous avez un téléphone, vous pouvez faire plein de choses dedans. Vous pouvez trouver un dealer, retracer des printers. Vous pouvez devenir maire ou voter pour un candidat. Vous pouvez appeler des gens, vous pouvez faire plein de choses, les potes, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Vous avez des cosmétiques, ça c'est hyper stylé. Tout à l'heure j'ai vu un mec, il avait des cosmétiques vraiment incroyables. Donc du coup voilà, vous avez la boutique, voilà si vous voulez acheter des choses, bien évidemment, vous avez vraiment plein plein de choses. Au niveau du chat vocal, là je l'ai désactivé pour vous présenter les choses. Là je vais l'activer et je vais tenter de vous faire une petite discussion avec quelqu'un. Voilà, vous allez voir, le chat est vraiment incroyable. La qualité du son elle est folle, etc. Les gens ils sont vraiment hyper sympas. Là il est très très tard et il y a 20 personnes. Et vu que c'est RP, 20 personnes, vraiment c'est bien. Vous pouvez faire des actions RP à 3. Donc c'est vraiment vraiment fou. Vas-y, je me mets le trou du cul dans le pot de fleurs. Ah ouais, Ouais, pour que c'est ça sente ça. bon. C'est une petite technique Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Ah bien vu gros. Tu la connaissais pas, hein? Ah si, je fais ça tous les jours. Hein. Ah merde. Comme ça, pas Moi, plus je besoin me de se rappelle laver. Hein. parfois dans le cul après, mais ouais. C'est une Bizarre, bonne technique ça aussi. oh, Hein. is, oh, Ah ouais. is, oh, is. La saucisse. Is. Oh. Is. Mais. toi, t'es bizarre, gros. Je sens C'est le toi, t'es jus, non? bizarre, t'es vert. Tu pues. C'est raciste, ça. Oui, bah 3 mois que je me suis pas Mais lavé. non, je suis pas raciste, je suis Je me Mahmoud. lave à base de fleurs, quoi. Vous êtes tous racistes. Bon du coup voilà les potes, on a fait un petit peu de la merde, on a rien dit de bien intéressant, mais voilà. Donc je recoupe le chat vocal, comme ça je vais bien pouvoir vous parler, mais vous avez vu qu'il était vraiment incroyable. Du coup donc la map est très très grande, je vais malheureusement pas tout pouvoir vous présenter, mais je vais vous présenter le gros. Dès que vous spawnez, voilà, vous pourrez aller tout simplement ici. Donc vous pourrez devenir gangster avec 2 heures de jeu, donc aussi c'est très important, il faudra jouer tout simplement pour avoir accès à certains métiers. Donc là vous avez le pôle emploi et vous avez par exemple les emplois policiers de la fonction publique, il faudra 5 heures de jeu pour faire ces métiers-là. Ensuite vous avez les métiers plus basiques, donc cuisinier, pêcheur, armurier, mineur, agent de sécurité, éboueur, chauffeur de taxi. Si t'es VIP, tu peux être routier, tu peux être commerçant, etc. Donc juste après, je vais vous montrer un de ces métiers-là. Mais avant, je voulais vous montrer un autre petit truc. Donc c'est encore une fois, si vous jouez AG Mode, bah ça aussi, ça va vous rappeler des petits souvenirs.
Donc on n'a pas trop le droit de remonter, mais regardez, la cage d'escalier, vous la reconnaissez si vous avez joué à Gmod. Et là voilà, vous reconnaissez ça aussi. Bon, ça c'est un petit peu moins ressemblant, mais ça ressemble quand même un petit peu, donc ça reste sympa. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Ok, il n'y a pas de dégâts de chute, ça va. Ah si, il y a des dégâts de chute, c'est RP bien sûr. Juste on m'a donné quelques permissions. Du coup voilà les potes, donc voici la map, et je vais vraiment pas tout vous présenter parce que c'est hyper 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 grand, mais voilà. Ensuite vous avez les printers. Ah attendez, j'ai un bot à vous montrer, voilà. Donc en fait vous avez des printers, et vous avez des chanvres, du chanvre. Donc en fait du chanvre c'est un truc où vous devrez rester à côté pour en farmer. Et avec le temps, ça va vous donner du chanvre que vous pourrez revendre. Donc le chanvre, c'est ça. Et la machine, c'est tout simplement le kit de plantation de chanvre. Donc vous devrez rester à côté. Et en fait, ça va produire tout simplement du chanvre. Et ça se revendra tout simplement avec un dealer. Vous avez du coup l'imprimante d'argent. Et avec bien évidemment le gel refroidissant. Donc du coup, je vais tout simplement commencer par vous montrer le petit métier de mon choix. Donc moi, je vais pas vous mentir, j'ai déjà joué à Infocraft, j'avais testé le métier mineur, c'est pas le plus intéressant, donc je vais pas vous le montrer. Je pense que je vais vous montrer enfin voilà, dans tout cas je vais quand même vous montrer mineur parce que c'est le seul que je connais en soi. Mais voilà, dans tous les cas tout est écrit. Si vous êtes éboueur, vous devrez ramasser les poubelles et les ramener à la déchetterie. Si vous êtes mineur, du coup il faudra miner puis revendre vos minerais. Si vous êtes armurier, ce qui est pas mal, ça vous pouvez AFK au spawn, et les gens ils font clic droit sur vous et ils peuvent acheter leurs armes. Vous pouvez même mettre des taxes, c'est vraiment fou. Voilà, donc quand vous êtes pêcheur, il faut pêcher, etc. Je vais mettre pêcheur, j'ai jamais été pêcheur, mais ça peut être sympa. Donc là du coup la pêche, vous voyez quel poisson vous pouvez vendre. Là il y a un petit ATM si vous voulez tout simplement safe votre argent. Donc voilà, là vous pouvez pêcher. J'ai jamais pêché, je sais pas du tout comment ça se passe les gars. Donc là c'est vraiment du direct. Donc je pense que quand on va pêcher, ça va faire comme sur comme si c'était normal. Ok, donc l'attaque. Et là du coup j'ai pêché un poisson, donc du saumon cru. Et là du coup si je veux le revendre, ça va me donner tout simplement de l'argent. Oula, je sais pas comment faire. Ah ok, d'accord. Et du coup ça me donne 300$. Ok. Ok. Donc non, franchement c'est bien, franchement c'est bien. Donc vous pouvez vous faire de l'argent en faisant divers métiers. Ça qui est assez intéressant. Bon là le problème c'est que je me suis perdu vu que la map est très très grande. Là je sais plus du tout où aller. Et là maintenant les potes, je vais vous présenter 2-3 véhicules. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a différents moyens de locomotion. Et ça en vrai c'est vraiment pas mal. Donc voilà les potes, là il y a un modo qui va me faire tester un hélicoptère. Donc si vous regardez bien, vous avez les véhicules de fonction, vous avez votre garage et vous avez tous les véhicules. Vous avez des motos, des vélos, des quads, des voitures, vous avez de tout, des hélicoptères, des avions. Là du coup il va me faire tester ce petit truc. Donc voilà, c'est un hélicoptère. Donc là hop, il faut faire shift pour demander les clés. Et ensuite il faut faire shift quand il vous a donné les clés, ou alors quand c'est votre véhicule, entrer dans le véhicule, conduire le véhicule. Donc là les potes, regardez. Et là on part, là ça part. Regardez, c'est fou. T'as fini avec les armes, oui. Regardez, on peut vraiment conduire le véhicule. C'est hyper maniable, ça bug pas du tout. Par contre, si vous tapez dans quelque chose, vous explosez. Enfin, ça dépend de la manière dont vous tapez. Mais voilà. Donc du coup, c'est vraiment hyper stylé. Et ça coûte très très cher, on va pas se mentir. Du coup, c'est un très bon moyen de locomotion. Mais vous avez aussi les voitures, etc. Je vais pas tout vous présenter. Là, je vous ai présenté le plus compliqué à avoir. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez printer, vous pouvez printer sur les toits. Ça, c'est vraiment bien. Parce qu'il faut faire attention, on peut se faire niquer, voilà, parce que bah du coup il y a la police. Donc il y a beaucoup de gangsters aussi, parce que c'est très important d'être gangster. En fait on peut faire beaucoup plus de choses, parce qu'on peut braquer des banques, on peut printer, on peut faire du chanvre, on peut faire énormément de choses. Après aussi on peut acheter des appartements. Donc voilà, ça je sais pas si je vais réussir à vous... Merde, oh la boulette. Ah la boulette, j'ai bloqué l'hélicoptère, bon bah voilà, en gros vous avez compris le concept. Ah non, je me suis bloqué, à l'aide.
En tout cas, voilà, vous pouvez acheter des maisons, par exemple ici, vous les reconnaissez, voilà. Donc là, on peut pas, mais juste ici, vous pouvez louer la maison, du coup, et vous pourrez tout simplement printer ici. Non, t'inquiète. Du coup, voilà les potes. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai à tout. Donc là, le serveur est ouvert, il y a pas mal de connectés. 50 personnes en pic, donc vraiment 50, c'est énorme. C'est un RP, vous faites des actions RP à 3-4. et coucou YouTube. du coup voilà les potes, donc j'en ai fini avec cette présentation. On vous attend vraiment 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 nombreux sur Efocraft. Merci de beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi je vous dis ciao les potes.